Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Voilà. Tu crois te faire quoi de bois si je mange mon chicha? Cracher, oh, promis, juré, cracher. Enfin. Si je mange, je vais... À Lyon. À Lyon. Au début de l'aventure, ta coupe de cheveux, c'était pas interdit par la loi? Au début de l'aventure, c'est vrai que j'avais la choucroute. On va pas se mentir. Mais j'ai été bien rattrapé, j'ai signé un contrat quand même pour Paul Brand. On fait un fight entre Nico, le mec de Nadège, et toi, qui gagne? Moi. Ah ouais, tu lui fais quoi? Je lui fais un camé. Camé. Ah. Tu préfères avoir tout l'argent que tu veux et plus jamais choper personne, ou être pauvre et avoir tous les mecs que tu veux? Je préfère être pauvre. T'as déjà demandé à une fan de te rejoindre dans ta loge? Bien sûr, je l'ai déjà fait ça. Et ça s'est bien passé? Ouais, on a très bien discuté. Vous êtes tous ensemble avec Ayem dans une pièce sombre, vous lui faites quoi? Je lui fais une berceuse pour que son bébé puisse aller au lit décemment. Et moi, je la protège parce qu'on est dans le noir. Voilà. Et sans mentir, Je la prends dans mes bras comme ça parce qu'elle est dans le noir, tu vois? Je la protège. Voilà. Chez toi, tu fais la vaisselle et la cuisine? Chez moi, je ne fais pas la vaisselle ni la cuisine. C'est du travail de... femme. Occasionnellement, si vraiment ma mère ou ma copine est malade, je fais la vaisselle et le ménage. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mon truc. Comme tous les mecs, t'as déjà pissé dans le lavabo de la salle de bain? Grave, c'est en plus. En moyenne, combien de fois par semaine tu colles la petite? Une fois par semaine. Pas plus. C'est le week-end justement. Est-ce que tu as menti pendant ce test? J'ai pas menti pendant ce test, j'ai dit toute la vérité, rien que la vérité.